Thomas Domingo, 24 ans, pilier à Clermont-Ferrand. Première sélection, bah, tournoi l'année dernière, donc 2009, contre le Pays de Galles. J'étais chez moi en fait et il y a Julien Malzieu qui m'appelle. Il me fait, je crois bien que Marc va t'appeler pour venir. Donc moi je le croyais pas, pour remplacer Lionel Faure en fait sur une blessure. Et j'ai attendu toute la nuit le téléphone, j'avais branché mes deux téléphones sur chargeur pour être sûr de ne pas rater l'appel. Et en fait on m'a appelé le matin, le mercredi matin, pour me dire que je rejoignais le 15 de France. Donc voilà, le rêve qui se réalise. Depuis gamin on attend ça, on regarde ça à la télé, on n'y croit pas vraiment. Et là ça arrive, on prend ça d'un coup. Beaucoup d'émotions. Et j'arrive donc le mercredi après-midi à Marcoussis. J'ai pas joué le premier match, j'étais 23e. Et la semaine d'après, je suis remplaçant contre le Pays de Galles. Donc, première Marseillaise, premier stade de France. Plein d'émotions, des messages de tout le monde. Donc, c'est vrai que ça donne envie. Et puis voilà, donc le match est vite passé. J'ai joué 20 minutes et c'est passé. J'ai l'impression que ça avait duré 20 secondes. Un beau souvenir de Maxime Médard qui m'a ouvert le front. J'avais 8 points. Donc voilà, je m'en souviendrai pendant un moment, je pense, cette première sélection. Ma première licence à Égletons, comité du Limousin, en Corrèze.